pour que cela compte. Alors, maintenant, place au maître Dimitri Karvanenko, champion de Russie. Et c'est un label de qualité. Vice-champion du monde par équipe avec la Russie à Dortmund, un des piliers de cette équipe de Russie. Et le roi des parallèles, puisqu'il a remporté la Coupe d'Europe avec ce double salto entre les barres. Une double salto dans les barres, ici un Eli. Deuxième Eli, c'est-à-dire grand tour autour du bras, qu'il enchaîne avec une valse et demi-sautée. Voilà qui est très original et très difficile. Un gymnaste qui peut prétendre à une médaille d'or aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde à cet égard. Et double carpé, vous voyez, cette petite chute, c'est ça la différence, c'est ça la maîtrise aussi. Karvanenko, le roi des barres parallèles aujourd'hui. C'est incontestable, même si Patrice Casimir sera champion de France avec 9,40. Karvanenko va obtenir vraisemblablement une note de l'ordre de 9,50, 9,55 parce qu'il a intégré des difficultés de valeur mondiale et ces enchaînements ont été d'une grande, grande maîtrise. Et grande originalité, on a vu là sa valse un quart sauté pour s'établir en travail latéral. Double carpé. C'est du beau travail. Ah oui, ça vraiment,